La première fois que je l'ai vu, c'était au taf derrière une presse. Nouvelle recrue du staff qui débarquait en stress. Jeune OS, au visage pâle, profil fantomatique. Elle était maigre, discrète, en marge du reste de l'équipe. Percé, tatoué, habillé, kaki, de la tête aux pieds. Les anciens la toisaient, sourire en coin, hallucinée. Elle ne parlait à personne. Elle usinait ses pièces, reclue dans son monde, deux yeux bleus, empreints de tristesse. Elle prenait sa pose au loin, à l'abri des regards, et 30 minutes plus tard, revenait toujours plus zen qu'à son départ. La langue lourde, le geste lent, elle retrouvait sa place et finissait sa nuit maladroitement, plus très efficace. Qu'est-ce qu'elle faisait toute seule pendant son temps de repos? Je me demandais ce qui se tramait dans le noir de l'entrepôt un soir. Son sac était ouvert et puis je suis venu la remplacer. Et ce soir-là, j'ai vite compris malheureusement ce qui se passait. Une flamme, une feuille d'aluminium, une paille, quelques milligrammes de résidus d'opium. Une poudre blanche qui chauffe et s'évapore dans les bas-fonds. Un regard fide de puce qui suit la goutte et s'en va chasser le dragon. Originaire d'un foyer pauvre, seule fille d'une famille nombreuse. Enfance traumatisée par un père aux mains plus que baladeuse. À 16 piges, elle claque la porte de chez elle en quête d'un nouvel aurore. Attaque la vie avec l'homme qu'elle aime sans regret ni remords. 10 ans de plus qu'elle, c'était son premier cum, son premier joint. Mais avec le temps et l'enfer de la rue, le charme des premiers jours s'éteint. Le type se révèle un trou de balle qui aimait faire parler ses poings. Demain c'est loin, c'est sûr, et dans ses bras ça refoule le mauvais vin. Elle aurait bien repris les études, pourquoi pas t'as fait dans le social. Mais vu son profil, l'effort à fournir lui paraissait colossal. Tellement déconnectée, au bas de l'échelle, aucune confiance en elle. Elle avait perdu la niaque, baissé les bras et fumé son potentiel. Elle vivotait entre la manche, le RMI, un peu d'intérim. Se traînait péniblement de squat en squat au plus profond de l'abîme. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, ça vire à l'héroïne. Et que chaque soir, à cette époque, je la retrouvais foncedée à l'usine. Avec une flamme, une feuille d'aluminium, une paille, quelques milligrammes de résidus d'opium. Une poudre blanche qui chauffe ses vapeurs dans les bas-fonds. Un regard vide de plus qui suit la goutte et s'en va chasser le dragon. Et un jour elle est partie, je ne l'ai plus jamais revue. Elle s'appelait Mélanie. Va savoir ce qu'elle est devenue depuis. Je n'arrive pas à l'oublier, son visage me poursuit. Y a comme une ombre qui se traîne, une âme en peine qui plane et hante mon esprit. Je vois la tête de la détresse, la face creusée du désespoir. La gueule défigurée de l'asphyxie qui ressurgit de ma mémoire. Ce regard triste et froid que tu ne côtoies que chez les ventres creux. À l'endroit où drogue et misère s'unissent et sortent le grand jeu. Au bout de cette ligne de chemin de fer, je vois la tête de la femme famine. Seule face à ses démons, la gueule meurtrie du fond de la mine. Elle gonfle ses poumons d'une effluve opaline, cherche l'étincelle. Coincée dans l'enceinte pourrissante d'un vieux bassin industriel. Et elle me fixe, silencieuse et immobile, paraît détendue du pic du zen. Pendant que ses veines se gonflent de ce produit défendu, je vois la tête du désarroi, la tête transpirante de la défaite. Elle est prête, elle rentre dans l'antre de la bête. Avec une flamme, une feuille d'aluminium, une paille, quelques milligrammes de résidus d'opium. Une poudre blanche qui chauffe et s'évapore dans les plafonds. Un regard vide de plus qui suit la goutte et s'en va chasser le dragon. Une flamme, une feuille d'aluminium, une paille, quelques milligrammes de résidus d'opium. Une poudre blanche qui chauffe et s'évapore dans les plafonds. Un regard vide de plus qui suit la goutte et s'en va chasser.